Ce que je vais chercher sur cette course, déjà, c'est une course à domicile pour moi. C'est assez rare, hein, en championnat du monde, on voyage souvent très loin et on n'a pas l'occasion de partager des moments un peu dans la région. Donc c'est déjà un événement régional et c'est une course à la maison, donc c'est toujours sympa. Au niveau de l'organisation, ça fait 3 ans maintenant que je participe à l'édition des 500 Nocturnes. Et d'année en année, le plateau se fournit. Et il faut dire que pour une course régionale, c'est très bien organisé, avec un plateau qui se remplit de GT tous les ans. Donc voilà, c'est un format plutôt sympathique, 500 km de nuit. C'est pas des courses qu'on peut faire partout. Donc le format est bon, des essais libres de nuit, une qualif de jour, et après une course de 500 km, c'est plutôt sympa. Donc ce que je pense du tracé de l'anneau du Rhin, c'est un circuit qui est plutôt technique, mais il y a aussi des virages rapides comme le premier virage ou le S des Sangliers qui demandent pas mal d'engagement, et avec des voitures comme la RS01, ça demande plutôt d'engagement au niveau de l'aérodynamisme, donc c'est plutôt sympa. Après il y a du technique, du très très lent, des chicanes, donc on retrouve un peu toutes les sortes de sensations d'un grand circuit de Formule 1. Il y a une longue ligne droite où on atteint les 260 km/h, donc voilà, le circuit il comble à peu près toutes nos attentes. Je vais déjà remercier Sofitex et AB Sport Auto pour nous fournir une voiture qui est plus que performante et qui nous permet de jouer les avant-postes sur cette course, enfin on l'espère. Donc pour l'instant ça se passe plutôt bien avec la pole, mais on a encore 500 km à faire ce soir où on va remettre notre titre en jeu, et je compte sur mes coéquipiers pour bien sûr regagner cette course. Pourquoi Viro 500 Nocturne? Tout simplement, c'est ma course régionale en Alsace. J'adore cette course, j'y viens depuis le début et je suis là pour la soutenir, en profiter, faire venir mes partenaires et mes amis. Donc voilà, ça me paraît tout à fait naturel d'être ici. De l'amusement principalement, faire partager ma passion avec mes partenaires. Après, si possible, comme tout le monde, le meilleur résultat possible. Là, on verra dans la classe à laquelle on va courir si on peut chercher la victoire, ce serait sympa. Les points forts du meeting, une très belle organisation. Les invités sont tous très contents chaque année de revenir ici. Course de nuit, pour moi, toujours très très sympa. Il y en a trop peu qui sont organisés. Donc voilà, pour moi, c'est les principaux points forts de ce meeting. Moi, c'est un tracé que je connais depuis son début, depuis la construction. J'ai connu le premier tracé, puis maintenant l'extension. Très sympa, un circuit quand même relativement rapide, assez technique. Un poil dangereux, mais très sympa à conduire. Alors, ce que je viens rechercher, c'est être proche des partenaires, être proche vraiment de mon équipe, parce que c'est l'équipe avec laquelle j'évolue tout au long de l'année en V2V. Et c'est le plaisir d'associer le sport automobile avec justement les partenaires, le côté un peu glamour, chic, un peu sympa, et puis prendre du plaisir. C'est le week-end où on peut, on va dire, se détendre en dehors et être bien évidemment stressé dans la voiture, mais c'est vraiment sympa et à chaque année, on attend cet événement. Et l'organisation est très très bonne. C'est avec Yvan donc, qui organise pendant une année complète cette course, on va dire ce championnat. Donc c'est très bien organisé, on n'a rien à attendre, on attend vraiment quelque chose de sympa, donc pas de stress et il n'y a que nous, donc c'est vraiment vraiment sympa. Ah, le tracé assez sympathique, il y a une grande ligne droite, il y a des petits virages, donc assez compliqué de maintenir une voiture de 550 chevaux sur ce circuit, mais c'est toute la difficulté et c'est vrai que c'est sympa, c'est vraiment convivial et sur le circuit on le ressent aussi, c'est bien.